On a 45 minutes, les gars, 45 minutes en fond. Beaucoup de communication. Temps fort, hein. Temps faible. Si, des fois, on est là, on est un peu plus dans le dur, c'est pas grave, on reste bloqué. Mais après, ça va venir. Ok, les gars, on reste tous ensemble, tous ensemble. MG, il y a la coupe. On doit bosser ensemble, et pas un après l'autre, ensemble. On bloque les espaces ensemble. D'accord ? Allez. Allez, allez, allez. Un match pas facile. Les gars, l'UNFP ont bien attaqué le match avec santé qui s'était bien en jambes. Ils ont mis du rythme. Ils nous ont posé des soucis sur la profondeur. Ouais, c'est vrai que physiquement, je me sens de mieux en mieux. On commence à voir les gros progrès qu'on a fait pendant la prépa. Je trouve qu'on a montré un très très joli visage. On peut être fier de nous dans le contenu, encore une fois. Une première mi-temps de haut niveau, je pense. On a produit face à une équipe joueuse dans ses principes, on savait. On a réussi plus sur la deuxième partie de la seconde mi-temps à mettre notre jeu en place. Et on a été relativement efficace parce qu'on met 3 buts. Mais on a eu affaire à une très bonne équipe de l'UNFP. Une deuxième mi-temps, je dirais, plus équilibrée où je crois qu'on a 3-4 occasions encore. Net, franche. Voilà, on monte tous en puissance et puis voilà, on va essayer de garder cette forme jusqu'à la fin du stage et on va garder toutes ces bonnes choses. Je tiens à féliciter l'UNFP pour ce qu'ils mettent en place par rapport à ça et souhaiter le meilleur à tous ces gars qui vivent une période pas facile. Je suis beaucoup en contact avec Tidjane Malbec et Over Mandanda que j'ai pu connaître à Bordeaux et ça fait plaisir de pouvoir les voir s'entraîner comme dans un vrai effectif en espérant que qui trouvent quelque chose de sympa pour exercer leur métier pleinement.